Alors, dans cette vidéo, je vais parler du présent de l'indicatif. Donc, pour les auxiliaires, donc être, je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Pour l'auxiliaire avoir, j'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Pour les groupes, j'ai déjà fait une vidéo sur les groupes et les auxiliaires dans la partie grammaire, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si nécessaire. Donc pour le premier groupe, alors tout ça c'est silencieux, ça c'est silencieux, donc on et donc pour parler, pour finir par exemple pour le deuxième groupe, donc i, ils sont, i c'est, is. ENT silencieux, comme ici et comme ici. Et pour le troisième groupe, donc tout ça c'est silencieux avec ça. Et on prononce juste on et comme pour le premier groupe. Donc ici on a les pronoms personnels et ici les terminaisons. Donc pour le premier groupe, je parle. Donc on enlève les deux dernières lettres ici à l'infinitif. Et on ajoute la terminaison, donc le E. Donc je parle, tu parles, ES. Il parle, elle parle, on parle. Nous parlons, vous parlez. Il parle, elle parle. Donc silencieux. Pareil avec finir, donc on enlève le IR de l'infinitif et on ajoute les terminaisons. Donc je finis, IS, tu finis. Il finit, elle finit, on finit. Nous finissons. Vous finissez. Ils finissent, elles finissent. Donc avec un ENT silencieux. Et pour le troisième groupe, donc avec écrire et prendre, donc on enlève le RE et on ajoute la terminaison pour écrire. Donc j'écris avec un S. Ensuite tu écris, un S. Il écrit, elle écrit, on écrit. Avec un T pour ce verbe. Nous écrivons, vous écrivez, ils écrivent, elles écrivent. Donc, ENT silencieux. Et pour prendre, pareil, donc on enlève le RE et on ajoute les terminaisons. Donc, je prends avec le S, tu prends S, il prend, elle prend, on prend. Donc, ici, on garde juste le D. Nous prenons. Vous prenez, ils prennent, elles prennent avec un END silencieux. Donc pour le troisième groupe, il y a des exceptions évidemment, donc il faut les connaître par cœur. Ensuite, quand utiliser le présent de l'indicatif? Donc une action dans le présent évidemment, donc je dessine. Une action qui se produit une fois ou régulièrement. Il fait de la natation tous les jours, donc c'est régulier. Pour une action qui n'est pas encore terminée, donc elle continue de travailler, et une action dans le futur qui est connue ou qui est décidée, donc demain, tu pars en vacances, donc c'est une action connue. Donc ici, on a des phrases, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour essayer de trouver le bon numéro pour chaque phrase. Donc ici, je regarde la télévision, donc ça c'est le numéro 1, puisque c'est une action dans le présent. Ensuite, demain, j'apprends une nouvelle chose, donc c'est le numéro 4, parce que c'est dans le futur et je connais l'action, donc c'est apprendre quelque chose de nouveau. Ensuite, tu poursuis ton projet. Donc ça, c'est le numéro 3, parce que c'est une action qui n'est pas encore terminée, donc qui continue avec poursuivre. Ensuite, il court tous les jours. Donc ici, c'est le numéro 2, parce que c'est régulièrement, donc il court tous les jours. Ensuite, elle prend tout le temps le même bus. Donc ici, c'est le numéro aussi parce que c'est aussi régulier, donc c'est une habitude.
donc avec tout le temps. On mange dehors, ici c'est le numéro 1. Donc juste une action dans le présent. Ensuite, nous voyageons dans 2 jours. Donc ici c'est le numéro 4. Donc c'est une action qui est connue ou décidée parce que c'est dans 2 jours. Vous nagez, donc ici c'est le numéro 1, juste au présent, dans le présent. Ils finissent leur travail, c'est le numéro 3, donc pour une action qui n'est pas encore terminée, parce qu'ils finissent, mais ce n'est pas encore fini. Et enfin, elles dansent chaque mercredi, donc ici c'est le numéro 2. Pourquoi? Parce que c'est régulier. Donc c'est chaque mercredi. Voilà. Donc ce sont les façons pour pouvoir utiliser le présent de l'indicatif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Lors de la prochaine vidéo, je parlerai du passé composé. Donc en attendant, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.